À tous. Donc deuxième vidéo, une mini enceinte. J'avais dit que je le ferais plus, mais finalement, eh ben je l'ai refait. Et d'ailleurs, je vous montrerai, il y a encore une mini enceinte, mais c'est pas vraiment une enceinte, ce sera une ampoule connectée. Mais ça, ce sera pour plus tard. Déjà, on va se faire notre petite vidéo d'Halloween, tranquillou. Je ferai mieux l'année prochaine, promis. Mais là, j'étais tout seul et j'ai pas eu vraiment le temps de faire une intro correcte. Enfin bref, je ferai mieux l'année prochaine, promis. Si je suis encore là, bien sûr. Mais je pense que normalement, il y aura pas de souci. Donc voilà, celle-là, elle est entourée d'aluminium et on a des skulls, des crânes partout. Ouais. Alors il y a plusieurs coloris, hein. Moi j'ai pris en noir pour que ça colle mieux au truc. Après c'est pas une enceinte que je pense utiliser parce que j'ai vraiment flashé moi sur la mauve et la X3S. Et puis bon, des enceintes j'en ai partout. J'ai pas vraiment de problème niveau musical. Mais celle-là, donc il y a deux problèmes que j'ai. C'est que la batterie est très petite, elle est trop petite, elle fait 3 heures à peu près d'autonomie, je l'ai essayé jusqu'au bout. Même avec les cycles de charge, la batterie est trop petite, quoi. Donc les lumières, je vous montrerai, il y a des lumières qu'on ne peut pas couper, et ça consomme un max de batterie, même si c'est des LED, mais ça consomme trop de batterie sur un petit modèle comme ça. Par contre, la restitution du son est excellente, vraiment très bonne, très très bonne. Les connectiques sont toutes très propres. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le poids aussi. Elle est très qualitative. Oups. Vous la mettez, il y a de la mousse en dessous pour pas que ça bouge pour les vibrations. Ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est ça. Et à la fin de l'autonomie de la batterie, vers 2h30, on va dire, donc 2 CD à peu près, hein, vous avez une voix qui vous dit batterie faible. Toutes les 5-10 minutes, ça c'est insupportable. Donc pendant la musique, elle vous coupe. Et finalement, ça vous fait 2h30 d'autonomie. C'est vraiment nul. Les mecs qui ont fait ça, c'est nul à chier. Moi, je peux pas dire de choses plus cool. Je suis désolé. Allez, donc là, elle fait lecteur micro SD. Voilà. L'USB, donc une clé USB. MP3 et pas de FLAC, hein, toujours, juste du MP3. Par contre, tous les formats de compression autres, je pense, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est plutôt MP3, de toute façon, c'est le plus répandu. Dommage d'ailleurs. Et donc, une sortie jack qu'on a testée tout à l'heure sur les pauvres casques aussi. Et l'entrée pour l'énergie, donc mini USB pour la recharge, et connectique pour l'antenne, du coup, et une prise jack aussi à l'autre bout qui est fournie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous avez le mode, sélection des titres, volume plus moins comme les autres, hein, vous laissez longtemps appuyé, lecture, pause et double appel, double clic, enfin double appel, double clic. Parce que celle-là, elle est en Bluetooth, donc vous pouvez appeler. Bon, c'est pas une généralité, remarque. Et là il y a un micro, donc le micro est vachement proche de la basse, je suis pas sûr que ça marche bien. Le bouton on/off et on a fait le tour. Elle prend une impédance de 4, et bah pourtant le son est quand même plutôt pas mal. La basse, elle est bien. Mais après, c'est avec le micro, ça rentrera peut-être pas super bien. Bien que le micro, je vous le présenterai parce que finalement, il vaut vraiment le coup. Et je n'ai même pas branché encore le micro que j'avais prévu. Tellement celui-là est top. Bon, allez, on passe à l'action. Et j'essaierai de vous éteindre la lumière pour vous montrer un peu la lumière. Ça éblouit la tronche, franchement. Et pas dans le bon sens du terme. Alors attention, l'allumage. Voilà. Et ça, toutes les 5 minutes en fin de batterie, hein, je vous le rappelle. C'est insupportable. Allez, c'est parti. Par contre, elle marche bien. Mais pas longtemps. Play by USB drive. Elle parle pour tout. Allez, c'est parti. Boop. Je change de titre. Et sinon, ça pète, mais au bout de 10 minutes, on en a marre de la lumière, quoi. Allez, j'essaie de vous faire écouter le son. Thank you.
Attention, je rallume. Je mets à fond. Voilà, là on est au max. Bon, allez, on va pas passer trois plombes là-dessus. Alors, comme vous avez vu, et encore en vidéo, je pense pas que ça rende super, mais ça éblouit vraiment la tronche. Hein. Je sais pas si les mecs ont essayé de reproduire une discothèque de poche, mais c'est vraiment trop. Et encore, si on avait la possibilité de l'éteindre, ce serait bien, mais non, c'est même pas le cas, c'est dommage. Rien du tout. Et là, j'appuie, et non, non, c'est bon, il n'y a rien du tout. Allez, voilà, c'était la présentation de la mini-enceinte. Alors, par contre, oh là là là. Tout le temps, elle ouvre, mais c'est un truc de dingue. Bon, enfin bref, si vous voulez faire un cadeau, par contre, à quelqu'un, c'est très bien ça. Normalement, ça ne sera plus votre pote hein, au bout de deux semaines, mais très bien. Très bonne idée. Ouais, donc on a le quality check, ouais. En septembre 2016. Ouais, elle a été faite pour Halloween, quoi, c'est ce que je dis. C'est commercial à bord. Bon, enfin, bref. Bon produit, mais mal pensé. Mal programmé. Non, c'est dommage, ça aurait pu vraiment être un truc bien. Après, je préfère la mauve, si vous l'avez vu la vidéo. Regardez-la, le son est vraiment top. Allez, à toute, on passe pour la troisième vidéo qui sera peut-être plus intéressante pour certains, et peut-être pour d'autres.